Yo les gens, c'est Darking pour une nouvelle vidéo sur Palladium. J'espère que vous allez bien et pour ma part ça va nickel. Juste avant que la vidéo commence les gens, je voulais vous dire un énorme merci. On a dépassé les 56 000 abonnés, c'est juste exceptionnel, merci beaucoup. Nous sommes bientôt au moment où je vous parle 56 400. Mais voilà, 57 000 abonnés c'est bientôt, c'est le prochain palier. Donc tous ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que 60 000 abonnés, je vous fais gagner un compte premium ou un grade paladin sur Minecraft, enfin sur Palladium, oui je suis intelligent moi. Et aujourd'hui les gens, je vous fais gagner un nugget Sandandium, voilà, c'est juste exceptionnel, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo. Bref, comme vous pouvez voir le titre de la vidéo les gens, j'ai acheté un item extrêmement rare qui va vraiment me servir pour les jobs. De toute façon, vu que si vous avez vu la miniature, je pense que vous savez de quoi je parle. Moi je vous laisse, c'était Darking. On se fait aussi un objectif les gens de 1000 likes, voilà, si on peut atteindre les 1000 likes ça me ferait plaisir. Bref, bisous tout le monde. Bisous tout le monde, ah non c'est pas la fin de la vidéo, c'est le commencement. Ah lol. Bon les gens, je sais pas si je vous l'avais dit, mais ma base qui était en plein air s'est complètement fait piller, voilà, s'est complètement fait démonter. Dans cette base j'avais masse de stuff palladium, j'ai un peu le seum, c'est vrai. Mais écoutez, sachons une base, là j'ai une nouvelle base avec mon drawer où il y a 560 blocs de palladium. C'est vrai que par contre c'est pas efficace d'avoir un drawer avec 560 blocs de palladium. C'est quoi ce drawer là? Ce drawer là c'est... Ah oui c'est les graines en palladium, ok. Bon, on va aller directement au home drawer et en fait on va mettre ça directement ici et justement ici, voilà. Parfait. Va falloir peut-être que... J'achète masse de blocs de palladium parce que j'ai un peu de monnaie encore qui grâce au lucky block, j'ai encore 6 millions de monnaie, mais j'ai plus énormément de blocs de palladium. Ce qui fait qu'il va quand même vraiment falloir que j'achète des blocs de palladium pour les giveaways que je fais, parce que je fais beaucoup de giveaways ces temps-ci. Je pense aussi faire les gens des lucky blocks de luxe, c'est-à-dire de faire des lucky blocks de luxe. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut tout simplement dire les gens que je vais faire 10 lucky blocks et dans ces 10 lucky blocks je vais mettre un endium nugget et dans les autres lucky blocks il y aura 64 blocs de palladium, ok. Un lucky block, un endium nugget et dans les 9 autres lucky blocks il va avoir 64 blocs de palladium. Et je les mettrai à 300 000 $ le lucky block. Je pense que ça peut être pas mal, donc si vous tombez sur 64 blocs de palladium, bah vous êtes pas rentable, mais si vous tombez sur l'endium nugget vous êtes archi rentable. Je pense faire ça dans la vidéo, je sais pas, on verra bien. Bref, nous les gens on se retrouve pour la suite de la vidéo. Voilà, j'ai envoyé dans le chat que j'achetais beaucoup de blocs de pala. Je pense que je vais en acheter pour 1 500 000 $. Donc voilà, pour 1 500 000 $ je pense que je peux en avoir, attendez, parce que 1 500 000 $, alors attendez, MEG T-Freeze, t'en as combien à vendre? Voilà, parce que quand même, si je fais beaucoup de giveaway et que je me retrouve à 0 palladium, ce sera complètement nul. Donc il m'en faut quand même beaucoup, surtout si je veux faire mes lucky blocks de luxe. Lucky block de luxe. Ah mon dieu. Et pas de... Non, j'ai rien du tout dans cette base. J'ai juste un petit PKU3. Bon, ok. Bon les gens, je vais pas acheter un endium nugget. Je vais tout simplement... je vais vous spoil. Merde. Bon les gens, je vais pas acheter des blocs de palladium. Je vais tout simplement... yes, parfait. Tout simplement acheter à The Juju Gaming un endium nugget pour 750 000 $. Donc voilà, je vais essayer d'en acheter. Même si j'en ai un stack, peut toujours servir d'en avoir un peu plus. Donc voilà. Aussi, j'ai fait mes petits calculs et si je vends 300 000 $ 10 lucky block, c'est dire que je vais pouvoir me faire 3 000 000 $ et je vais perdre un endium nugget, donc ce qui fait que je serai plutôt rentable, donc je suis assez content. Donc il me propose 775 000, donc je dis oui, hop, comme ça je vais pouvoir me faire un peu de un peu plus de nuggets. On va le payer maintenant, hein. Ça je paye The Juju Gaming 775 000 $. Paye The Juju Gaming, ok, nickel. Hop, voilà, parfait. Je viens de le payer. Et une endium nugget en plus. Merci. Et du coup, maintenant, on a... on a un stack et une endium nugget. Parfait. Bah écoutez, personne ne vendait des blocs de palladium. Donc, bah, triste vie. Allô? Bonjour. Ouais. Ça va? Ouais, toi? Ça va très bien. Du coup, t'as une Legendary Stone Jobs, c'est ça? J'en ai deux même. Ouais bah je t'en prendrai que une parce que deux Ok. Voilà. Bon après pour ton métier d'alchimiste je suppose. Bah pour le moment non parce qu'il est pas open le métier d'alchimiste, mais Si il est open hein. Non il est pas open le métier d'alchimiste. Je suis level 3. Il y a des personnes qui sont level 7 avec les Legendary Stone on peut. Tu savais pas? Avec les Legendary Stone? Ah oui, bah oui, mais si vous faites clic droit et que ça donne de l'XP pour le métier d'alchimiste. Ouais, d'accord, ouais, voilà, mais tu... on peut pas non plus, ouais, on peut pas le farm. Sinon, il est pas open. Voilà. Le prix, ça serait combien? Moi, ça serait plutôt en monnaie, j'ai vu que t'avais plein de dumb nuggets, mais j'en ai déjà pas mal. Ouais. Est-ce que t'as de la monnaie? Oui, j'en ai. Un peu. Bah, du coup, moi, j'en avais vendu une parce que à
avec. J'ai réussi à faire la quête une fois moi. J'ai réussi à en acheter à un de mes amis et j'ai réussi à en acheter une autre à une personne à genre 4 millions, mais j'ai pas mal négocié. Et du coup, genre, moi je partirais. Je sais, il y a quelqu'un qui m'en a acheté une il y a genre une heure pour 8 millions et demi, 16 têtes de Wither et 8 stacks de blocs de panne. Alors, jamais je mettrais 8 millions. Ouais, mais en vrai, normalement ça vaut moins cher, je trouve. Hein. Moi, si tu veux, j'ai 5 millions là. Ok. Et t'es quel serveur? Bah, viens Forestia. Forestia, ok, bah je me TP à toi ou fais comment? Bah, vas-y, TP-toi à moi, ouais. Fuck it. Hop, attends, je regarde juste Flash Planner Lag Time. Tiens, je vais te donner ça en premier. Tiens. Ah. Tu la donnes? Ouais. Hop! Sans envie, tu peux déjà la. Elle est un peu devant. Sans envie, tu peux déjà la mettre dans ton dossier. Parfait, parfait. Non, vas-y, attends, tiens. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Et slash pay, le gamer nocturne. 5 millions de dollars. Ah merde, ah putain. 500 000. Je me suis trompé, désolé. Attends, 4 millions. Je te rends les 500 000. Non, mais attends. Voilà, nickel. Bah yes, parfait, nickel. Ah, je la voulais. En plus, je la voulais tellement, cette Legendary Stone. Ok, les gens. Donc, vous avez pu voir la séquence où j'ai acheté la Legendary. Donc, voilà. Maintenant, vous savez que c'est une Legendary Jobs que j'ai acheté. Donc, elle est juste ici. D'ailleurs, je vais tout simplement l'utiliser, pardon. J'ai envie de voir ce que ça fait. Donc, on va l'utiliser maintenant. On a fait clic droit et on a gagné 11 000 XP pour le métier de mineur. D'accord. Ok, moi je voulais plutôt l'alchimiste. Fait chier, merde. Enfin, je sais même pas si c'est possible avec l'alchimiste, hein. Mais bah, je crois que si, il m'a dit le mec, hein, que c'était possible avec la chimie. Mais bon, bah, j'ai reçu 11 000 XP avec le métier de mineur, parfait. Bon, les autres... Oh, si, l'invisibilité, ça peut être drôle. Ça sert à rien, ce que je fais, mais bon, c'est pour s'amuser, quoi. Bref, voilà, j'ai reçu 11 000 XP grâce à la Legendary Jobs. J'ai acheté une Legendary Jobs dans cette vidéo, je suis assez content. En plus, je l'ai pas acheté ultra cher. Donc voilà, il me reste encore 5 500 000 $, je crois. Ou 5 800 000. Ouais, 5 800 000 $. J'ai acheté une Endium Nugget aussi. Donc franchement, une vidéo pas trop mal. Bref, nous les gens, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bon les gens, voilà, comme je vous dis en début de vidéo, je vais tout simplement faire les Lucky Blocks de luxe. Voilà, donc je vais tout simplement les créer maintenant. Donc attendez, maintenant, il faut juste que je trouve de quoi les créer. Donc je vais prendre ça, ok, slash craft. Maintenant il me faut 10 coffres. Là, j'en ai fait 12, ok, parfait. Du coup je vais en mettre 10, hop, voilà, parfait. Ok, bah j'ai 10 lucky blocks. Maintenant il me faut des blocs de palladium. Il m'en faut 64 blocs de palladium. 64, en vrai c'est énorme, je trouve, hein. C'est vraiment énorme. Ok, on prend les blocs de palladium, slash home base. Faut aussi que je prenne mes endium nugget. Un endium nugget. Bah finalement, l'endium nugget que j'ai acheté, bah, va s'avérer rentable. Oh non, j'ai crash, rip. Et je dois me reconnecter. C'est une blague? Ok, c'est bon les gens, je suis de retour sur Forestia. Donc je vais aller au home base et je vais tout simplement faire les lucky blocks. Donc là il est 17h, donc les gens commencent à rentrer des cours, hein. Donc c'est parfait, donc slash craft. Je vais crafter, ah bah non c'est bon, j'avais déjà les 10 lucky blocks. Hop, et je vais en mettre 3 comme ça, voilà, parfait. Ça on peut remettre ça dans le drawer, ok, je suis à 2 stacks de blocs, parfait. On va tout simplement aller prendre le petit endium nugget. Ok, je vais tout simplement maintenant mélanger les drawers, voilà, tac, 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 tac. Voilà, je vends Lucky Blocks de luxe, 10 Lucky Blocks, 1 Lucky égale 1 Endium Nugget. Enfin, je me suis mal exprimé. Voilà, il y a 10 Lucky Blocks et dans un Lucky Block, il y a 1 Endium Nugget, les autres, il y a 48 blocs, pas là. Ok, donc le gamer nocturne qui m'a envoyé 175 000 $, bah, on va prendre un Lucky Block et on va slash TPA le gamer nocturne. Ok, qu'est-ce qu'il va avoir? Ah bah, il a eu 48 blocs de palladium, bon, bah... Rip, mais GG quand même. Mais... Alors, il veut pas me TP, s'il te plaît. Allô, Angel Fire. Ok, parfait, il m'a TP. Alors, c'est parti, il n'y a pas de palag time. Sache pas lag time. Ok, 3, 4, hop, parfait. 4 lucky blocks, j'ai envie de savoir ce qu'il va avoir parce que là, il y en a 4. Ah non, il veut pas me montrer. Bon, bah tant pis. Si t'as les 4, si t'as que des blocs de palladium, chè. Je rigole. Alors, du coup, t'as encore des lucky blocks de luxe. 175 000 $. Ok, bah c'est parti, slash TPA Senpai qui m'a donné 175 000 $. Angel Fire qui me dit de passer Discord. Je sais pas pourquoi. Ok, Senpai juste est là. Tiens, un drawer. Parfait. Ok, parfait. Donc je sais pas ce qu'elle a eu. Ok, bon, nickel. Donc il m'en reste 3 et du coup je suis à combien de monnaie là? Je suis à 7 millions. Parfait.
Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Voilà, du coup, je suis à 7 millions de dollars. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer d'acheter masse d'Endium Nugget encore. Pourquoi pas essayer de refaire un deuxième stack d'Endium Nugget? Ça me ferait juste super plaisir. On verra ça pour les prochains épisodes. Il va falloir que je farm énormément de graines d'Endium. D'ailleurs, parlons des graines d'Endium. Si vous vendez des graines d'Endium, n'hésitez pas à me MP sur Discord et sur Insta. Je prépare une très grosse vidéo. Si vous vendez des graines d'Endium, n'hésitez pas à me MP Discord. Bref, en tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo. Objectif de 1000 likes, partager la vidéo, commenter la vidéo et aussi de t'abonner. On est bientôt 56 500, c'est énorme, merci beaucoup. Voilà, le plus gros objectif c'est 60 000 abonnés avant Noël, j'espère sincèrement les atteindre. Bref, je vous laisse, c'était Darking, bisous tout le monde.